Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga de la fertilité. Je l'ai pensée pour qu'elle soit assez courte afin que vous puissiez la réaliser même si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps devant vous. Je vous invite à la faire le matin ou bien le soir avant d'aller vous coucher. Les postures que j'ai choisies, elles peuvent être réalisées à n'importe quelle période de votre cycle et elles vont avoir de nombreux bienfaits pour votre fertilité. Elles permettent notamment d'ouvrir vos hanches, de détendre votre zone pelvienne, de dynamiser votre circulation sanguine à l'intérieur de votre système reproducteur. Donc elles sont vraiment intéressantes et pour bénéficier pleinement de leurs bienfaits, je vous invite à vous connecter à vos ressentis, à votre souffle et à tout ce que vous allez faire sur votre tapis. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un tapis sur lequel vous serez installé confortablement et également de différents coussins. Ces coussins, ils vont vous permettre d'ajuster vos postures et également de créer comme un cocon, comme un petit nid pour cette pratique que vous allez vous accorder. Je vous invite également à installer près de vous une couverture ou un plaid pour pouvoir vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Je vous laisse aller chercher tout ce matériel et puis on se rejoint tout de suite sur votre tapis pour cette séance de yoga de la fertilité. Pour cette première posture, je vous invite à installer vos coussins les uns sur les autres à l'avant de votre tapis puisque vous allez ensuite venir vous allonger dessus. Donc créez comme une montagne de coussins confortables. Et une fois que c'est fait, je vous invite à venir du coup vous allonger sur vos coussins. Donc vraiment prenez votre temps pour vous allonger, prenez appui sur vos mains, sur vos coudes, pour rentrer dans cette posture doucement. Voilà, ajustez-la pour que vous soyez vraiment confortable. Et quand c'est fait, je vous invite à connecter vos voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vos genoux s'ouvrent sur les côtés. Vous pouvez placer vos mains paumes ouvertes vers le ciel de part et d'autre de votre corps ou bien contre votre bas-ventre. Et vous laissez vos hanches s'ouvrir. Vous pouvez fermer vos yeux. Et connectez-vous à votre souffle. Sentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration. Et qui se dégonfle à chaque expiration. Votre cœur est ouvert vers le ciel, soutenu par les coussins, et l'air vous parcourt librement. Sentez le chemin qu'il fait, qu'il parcourt à l'intérieur de vous. Dans cette posture, prenez trois profondes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche à votre rythme pour trois profondes respirations. Quand c'est fait, quand vous êtes prête,
prenez appui avec vos mains contre vos cuisses pour ramener vos genoux l'un contre l'autre. Prenez un moment dans cette posture. Et quand vous êtes prête, envoyez votre cheville droite contre votre genou gauche. Pressez votre main droite contre votre genou droit pour ouvrir en douceur votre hanche droite. Donc ne poussez pas. Écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Sentez cette légère ouverture. Et continuez à respirer profondément. Là encore, prenez trois profondes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche à votre rythme. À chaque expiration, enlevez toutes les tensions de votre corps. Et en douceur, ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Reprenez un instant dans cette posture neutre. Vos hanches sont parallèles. Et changez de côté. Envoyez votre cheville gauche contre votre genou droit. Pressez votre main gauche contre votre genou gauche. Et sentez l'étirement dans votre hanche gauche. Respirez profondément. Sentez l'ouverture de votre hanche. Visualisez comme un sang bien neuf et bien oxygéné parcourt l'ensemble de votre système reproducteur. Là encore, prenez trois profondes respirations à votre rythme en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Et quand vous êtes prête, ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit, hanche parallèle. En douceur, vous pouvez rouvrir vos yeux et vous allez vous redresser en posture assise. Alors peu importe la période où vous en êtes de votre cycle, pour vous redresser, aidez-vous de vos mains, de vos coudes, pour éviter de mettre trop de pression dans votre bas-ventre, notamment si vous êtes en période post-ovulatoire ou post-transfert. À votre rythme, redressez-vous en douceur et vous allez venir vous positionner à quatre pattes. Vous pouvez décaler légèrement vos coussins. Donc dans cette posture, vos poignets sont dans l'alignement de vos épaules et vos genoux
sont dans l'alignement de vos hanches. Le dos bien droit, le regard au sol. Et sur la prochaine inspiration, vous allez regarder en face de vous, dos creux. Et sur l'expiration, dos rond, je regarde mon nombril. J'inspire. J'expire. À votre rythme, sur 5 profondes respirations. Et revenez dans une posture neutre, le dos bien droit. Et de là, vous allez faire des cercles avec vos hanches. Il y a vraiment souvent beaucoup de tension à cet endroit-là. Et c'est rarement un mouvement qu'on fait au quotidien, ce mouvement circulaire. Donc ça peut faire vraiment du bien à votre corps. Alors pour ces cercles, vraiment écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Vraiment, laissez-vous guider par vous-même. Peut-être que vous aurez envie de faire des cercles plutôt grands ou plutôt petits. Des cercles plutôt rapides ou au contraire plutôt très lents. Ça pourrait changer en fonction des jours et de vos ressentis. Sentez vos hanches ici. Sentez les tensions se dissoudre doucement à chaque cercle. Et quand vous êtes prête, vous pouvez changer de côté. Ramenez toujours votre attention à ce que vous êtes en train de faire, à vos ressentis, à votre souffle. Puis revenez dans une posture neutre. Et maintenant, on va faire la posture de l'enfant. Pour cette posture, je vais prendre deux coussins plutôt longs que je vais positionner entre mes cuisses. Alors, vous allez avoir besoin d'ouvrir légèrement vos genoux sur les côtés pour glisser en avant, comme si vous cherchiez à ramener votre torse entre vos cuisses. Donc vos fesses sont ramenées vers vos talons et vous allez vous allonger sur vos coussins dans une posture d'introspection, de cocon. Vous pouvez garder vos mains vers l'avant du tapis, contre vos coussins, ou bien vers l'arrière. C'est vraiment vous qui décidez en fonction de vos ressentis. Et là encore, vous allez profiter de cette pratique, de cette posture, pour vous connecter à vos ressentis. Sentez toujours votre souffle. L'air qui entre par votre nez et tout le chemin qu'il fait à l'intérieur de vous.
Et quand vous êtes prête, vous pouvez rouvrir vos yeux, prendre appui sur vos mains, sur vos coudes pour vous redresser. Maintenant, vous allez vous allonger pour la dernière posture de cette séance. Alors, je vous invite à positionner les deux coussins ou le coussin que vous aviez pour cette posture au niveau plus ou moins de vos genoux, parce que vous allez les placer pour la posture finale sous vos genoux. Donc plus ou moins comme ceci, et de pousser les autres coussins loin de vous parce que vous n'en aurez plus besoin. Et de là, du coup, vous prenez appui sur vos mains, sur vos coudes, pour vous allonger en douceur dans la posture finale de Shavasana. Les genoux sont soutenus par les coussins. Vos pieds s'ouvrent légèrement sur les côtés. Paumes ouvertes vers le ciel, les mains de part et d'autre de votre corps ou bien contre votre ventre. Et dans cette posture finale, je me remercie de cette séance que je viens de m'accorder. On a souvent tendance à penser qu'il faut faire beaucoup ou qu'il faut transpirer pour pouvoir booster la fertilité. Mais finalement, parfois, c'est tout l'inverse dont votre corps a besoin. Vous êtes certainement souvent dans le rush, dans l'urgence, avec peut-être beaucoup de stress dans votre quotidien. Et au contraire, prendre du temps pour vous, tout en douceur, même si c'est 10 ou 15 minutes de votre temps, pour vous reconnecter à vos ressentis, ça peut être extrêmement bénéfique pour votre fertilité, pour votre corps et pour votre bien-être de manière globale. Prenez un temps pour vous remercier de cette pratique. Et là encore, laissez-vous guider par votre souffle. Sentez le trajet que fait l'air quand il entre par vos narines et quand il parcourt l'ensemble de votre corps. Détendez chaque partie de votre corps. Profitez de ce temps de pause. Et pour terminer cette séance, là encore, prenez trois profondes respirations à votre rythme. Quand vous êtes prête, ouvrez vos yeux, bougez vos mains, vos pieds. Vous pouvez retirer les coussins dessous vos genoux, basculer sur le côté et en douceur prenez appui sur vos mains pour vous redresser doucement. J'espère que cette séance vous aura plu.
N'hésitez pas à retrouver mon guide de yoga de la fertilité qui va regrouper toutes les postures que vous pouvez faire en fonction des périodes de votre cycle, ainsi que 17 méditations qui recouvrent en tout plus de 3 heures d'écoute pour vous aider en fonction des différentes phases de votre cycle. Je vous mets le lien de ce guide sous cette vidéo. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.